Et malheureusement, bien cette décharge sauvage, ce n'est pas une exception en France. Jean-Christophe Batteria. Bonsoir. bonsoir. Il en existe beaucoup d'autres. Aucun département de France n'est épargné. Vous allez le voir sur ces images, nous sommes près de Marseille, sur les hauteurs, la fameuse calanque de l'Estac. Eh on trouve des carcasses de voitures, de l'électroménager, des pneus, de l'huile. Et Dès que l'endroit est nettoyé, eh bien, elle se garnit à nouveau en détritus. D'autres images qui ont été tournées cette fois-ci à Orléans. À Orléans, vous allez voir, ce sont des ordures ménagères qui ne sont pas sur les sites où elles devraient être. Là, on est toujours un petit peu à l'Estac. Voici Orléans. Et puis euh, des images qui sont assez édifiantes, des, des photographies. Là, nous sommes dans les vignobles à côté de Carcassonne. Voici les vignobles à côté de Carcassonne. Là aussi, des détritus à perte de vue. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut jeter en toute impunité ben, ces déchets dans la nature et Pourtant non, La loi est bien claire et très sévère. 75 euros d'amende si vous jetez une simple poubelle. Si c'est depuis un véhicule, là, on passe à 1500 euros d'amende. Et si ce sont des déchets industriels, des déchets professionnels d'une entreprise, eh bien là, c'est 75 000 euros d'amende assorti de deux ans de prison. Mais il est très rare que les pollueurs qui tentent de passer entre les mailles du filet se fassent prendre. Ils échappent en général à la justice et à la loi. Mais ça pourrait changer, car les municipalités font appel à des détectives qui remontent la filière des déchets et même, par exemple, des organismes comme l'Office national des forêts dotent certains arbres de caméras très discrètes pour qu'enfin les pollueurs soient les payeurs.